L'artisanat, surtout dans les filières artistiques, n'a jamais été aussi riche que là en ce moment. On a l'intelligence de la main et on a également une vue créative. Naturellement, il y a les artistes, il y a les artisans, mais un artisan d'art, c'est justement celui qui englobe les deux. Il faut tirer vers l'excellence, vers le plus beau. Il faut se remettre en question régulièrement, faire des choses qu'on pourrait même penser impossibles ou irréalisables. Il faut quand même essayer de se lancer dedans et toujours exiger le meilleur de chaque personne à chaque étape de fabrication. On est face à des objets qui sont absolument uniques. Donc tant que les hommes aimeront des objets particuliers, tant qu'on aimera des beaux objets comme ça, la gravure aura un bel avenir. Mon métier représente tout pour moi, c'est une partie de mon âme, donc c'est pour ça que je me bats pour ouvrir une école. Je veux transmettre ce qu'on m'a transmis. Ce qui m'embêterait le plus, c'est de savoir qu'après moi, je n'ai personne qui puisse continuer à restaurer les monuments que j'aime tant. J'ai 250 ans de tradition, de savoir-faire derrière moi. Il faut penser aujourd'hui à les préserver pour pouvoir les transmettre demain. Il faut des générations pour faire un bon ouvrier. Une seule suffit pour que tout soit perdu. C'est-à-dire qu'on a, nous, besoin de pouvoir progresser dans ce que nous faisons. Mais en même temps, si ça s'arrête avec nous, je pense que ça n'a plus aucun sens. Parce que tout simplement, ce que nous faisons à l'heure actuelle, c'est parce que ça s'est transmis aussi au fil des siècles, tout en s'affinant et en se modernisant. Ce sont des métiers compliqués, techniques, qui demandent des formations particulières, assez poussées, longues, qui demandent de la pratique. Et si ce savoir-faire n'est pas transmis, il va être perdu rapidement et on ne sera plus en mesure de réaliser des ouvrages comme nous sommes capables de le faire actuellement. Dans nos métiers, le savoir-faire français reste une référence et nos ouvrages restent, et je l'espère resteront encore longtemps, des références. Et c'est ce qui nous permettra de représenter la France, je l'espère, au mieux dans les différents pays dans lesquels nous travaillons. L'excellence française, elle continue à être connue à travers le monde. La notion de marché, elle est très importante dans notre métier. Ça fait déjà quelques années que je ne me limite pas au marché national. L'artisan 2014, s'il effectivement il a la conscience du marché qui correspond à ses produits, il peut perpétuer la tradition pendant très longtemps. Être artisan d'art aujourd'hui en 2014, c'est respecter une tradition en regardant devant soi, c'est-à-dire vivre avec son héritage, ce que l'on a acquis, ce que l'on a reçu de nos prédécesseurs, et en même temps continuer à avancer vers la nouveauté. L'artisan 2014, c'est un battant, c'est un passionné et c'est quelqu'un qui va savoir gérer l'entreprise, parce que bien savoir fabriquer, si on n'est pas capable de vendre ou de bien communiquer sur ses produits, je dirais qu'aujourd'hui c'est compliqué. Donc c'est quelqu'un qui va être mobile, qui ne va pas avoir peur d'aller s'exporter, tout en respectant le métier, tout en ayant une grande connaissance du métier, avec la forte envie de faire avancer celui-ci et de le pérenniser. Je crois fermement en l'avenir de l'artisanat et de l'artisanat d'art. C'est l'avenir. C'est l'avenir, l'artisan en 2014. On a beau dire que c'est dur, mais c'est dur dans tous les métiers. Notre métier, c'est le plus beau métier du monde. On aura toujours besoin de nous. Il y a un énorme avenir dans le métier de l'artisanat. Ce prix représente avant tout une reconnaissance. Être trésor vivant de l'artisanat, ça représente quand même quelque chose, parce que c'est quand même un titre très honorifique. On passe quand même par un jury de professionnels qui sont aussi des personnalités de renom dans le secteur. C'est toujours important d'être jugé par ses pairs, par les gens qui ont ce savoir-faire, qui ont de l'expérience, qui savent reconnaître la différence entre le vrai et le faux, et qui savent reconnaître surtout les compétences à travers une vraie étude d'un dossier. Ce prix, c'est un plaisir, c'est une aubaine pour faire connaître un petit peu plus nos métiers, faire vivre notre artisanat. Notre artisanat, c'est toute notre vie, c'est un savoir-faire. Et donc effectivement, merci à cette organisation qui a permis de diffuser un film de très grande qualité et pour démontrer que nos métiers sont au goût du jour. L'artisanat, c'est un art de vivre.
Avec un prix, avec cette reconnaissance, on a certainement plus de crédibilité auprès de nos clients aussi. Donc on espère que ça va porter des fruits en termes de communication surtout. Et je crois que s'il y a le média est là aussi pour apporter cette partie-là qui souvent manque dans nos ateliers, c'est quand même une aide capitale pour les ermites que nous sommes. Quand on a un accompagnement, quand on a une aide sérieuse de gens qui sont des professionnels, bah, c'est toujours très bienvenu. Ce prix, pour moi, ça représente la reconnaissance d'un métier, la reconnaissance d'un savoir-faire. À travers ce prix, c'est aussi la reconnaissance de l'apprentissage et du travail que fournissent mes apprentis. C'est grâce à eux, notamment, que j'ai pu remporter ce prix. Ça représente une reconnaissance d'un savoir-faire français. 36 ans de métier, d'apprentissage, puisqu'on apprend toujours tous les ans. Ce sont des pièces uniques. Je remercie surtout le public qui a su bien comprendre le problème que j'avais de ne pas pouvoir pérenniser mon travail. C'est énormément d'émotions, énormément d'émotions. Remerciements effectivement à l'ensemble de l'entreprise, mes apprentis, tous ces jeunes qui passent et qui font vivre cette entreprise tout en apprenant leur métier. Mon épouse qui me seconde tous les jours. Et puis ceux qui nous ont appris, tous ces compagnons rencontrés tout au long de mon tour de France et encore maintenant. Et tous ces artisans, tous les sans noms qu'on ne voit pas tous les jours mais qui ont toujours le cœur à l'ouvrage et qui sont capables de nous apporter un petit peu plus au jour le jour. Dans toutes les situations de la vie. Dans les remerciements, il y en a beaucoup, forcément. Les gens qui m'ont aidé à arriver là où je suis, il y a forcément ma famille. C'est vrai que des métiers de passion, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et la famille aussi. Donc voilà, mes enfants, mon épouse, les parents, les amis, qui croient aussi dans les projets que j'ai pu développer, ils sont pour énormément de choses dans la réussite d'aujourd'hui. Je voudrais remercier tout particulièrement déjà vous, les caméramans, qui avez su vous fondre dans le décor, nous filmer en pleine action, ne pas nous perturber. Et donc merci à Cigale Media et puis merci à tous ceux qui m'ont soutenu lors du vote, le vote du public, mon épouse et puis mes deux apprentis. Thank you.